Une ville se découvre d'une hauteur, colline, tour, clocher. Au cours de l'ascension, elle surgit dans son immensité, dans sa complexité qui n'est pas moindre que celle d'une forêt ou d'une mer. L'ampleur de l'étendue qui se déploie sous le regard suscite une illusion. Le spectateur peut croire n'avoir devant lui qu'un spectacle, un tableau disposé pour son agrément. Or, la ville lui révèle en cet instant quelque chose d'essentiel. Vers elle accourt, en elle se condense tout ce que contient l'espace, tout ce qui se produit dans le monde, les biens, l'argent, les œuvres, les hommes. Elle les accueille, elle les concentre. Qu'est-ce qu'une ville? Qu'est-ce que Paris? Un centre, ou plutôt un ensemble de centres et de points de rencontre, le lieu d'un vaste rassemblement. Les autos aujourd'hui n'en sont que le moyen et le signe encombrant. Encombrés, saturés, comme on dit, les centres deviennent invivables. Ils éclatent, les gens veulent s'en aller. Cependant, pas de vie urbaine, pas de vie sociale intense et créatrice sans qu'il y ait centre. Du sol, dans les rues, les gens qui entrent dans les maisons, qui sortent du métro, ces gens ne voient pas la ville. Ils y sont, ils la font. Ils courent au travail, ils le quittent à la hâte pour rentrer chez eux. Métro, boulot, dodo. On peut dire qu'en hauteur éclate la vérité de la ville, alors qu'au voisinage du sol s'étale la réalité. Ici comme ailleurs, la vérité et la réalité ne peuvent se séparer et pourtant, elles ne coïncident pas. Contraste se déploie à la fois dans l'horizontale entre les divers Paris et dans la verticalité entre le haut et le bas, la lumière et l'ombre. Dans les bas-fonds traîne la quotidienneté. À l'évanescente splendeur répond la réalité humble. Changer le quotidien, ce serait changer la vie. Cette transformation mériterait, et elle seule, le nom de révolution. En attendant, la cordialité et la violence de ce qui se passe au ras du sol répliquent à la froideur lumineuse des hauteurs. Foule, intimité pressée, souvent dents et poings serrés de colère, violence latente, voilà la rue. À ce niveau abondent la vie et la vitalité, les tensions qui s'affrontent, les forces qui se confrontent. Étrange loi, celle de ce monde moderne qui glisse vers on ne sait quel abîme. Plus les rues se font tortueuses et relient d'humbles demeures, plus l'espace se fait pauvre, plus il se remplit de présence et se peuple d'une chaleur qui surmonte l'angoisse. Thank you.
L'espace enrichi et la richesse dans l'espace ont quelque chose de désolant. C'est leur propriété qui n'a rien de commun avec l'appropriation de l'espace par un groupe de gens vivants et actifs. L'espace de la richesse ne possède que la magie angoissante de l'absence. Ah, ce n'est pas ici que se savourent les délices ambiguës de la promiscuité. Quel désert! Entre les quais qui le contiennent et mesurent son espace, le fleuve, c'est ce qu'il y a de plus durable dans la ville. C'est en elle la nature et l'éternel. Lorsqu'une frénésie destructrice s'empare de ceux qu'on nomme les responsables, que font-ils? Démolir, faire place au néo, construire le plus possible, le plus vite possible. Pourquoi? Pour inventer un nouveau bonheur, ou bien une beauté neuve? Pas du tout. Pour faire du rentable, pour le profit, pour permettre d'employer les capitaux investis dans les entreprises de construction, pour alimenter la spéculation et ainsi de suite. Objectifs dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont rien de commun avec la vie quotidienne des usagers, pas plus qu'avec l'antique beauté monumentale. À Belleville, autrefois, les habitants de ce quartier, ouvriers et artisans, savaient malgré leur pauvreté s'approprier leur espace. Ici, depuis peu, on rénove, on détruit. On dissimule l'incapacité à créer sous la capacité à combiner, à produire pour le gain. Ce qu'on vend aujourd'hui, ce n'est plus le charme de l'ancien Belleville, mais son image disparue.
Aucune idée parmi ses constructeurs sur ce qui aurait pu naître de la destruction des vieux immeubles et des taudis. Aucune idée. Sinon, des entassements de boîtes interchangeables les unes sur les autres ou à côté des autres. Les machines à construire ont édifié des machines à habiter. Les habitants y perdent l'agrément de cet acte humain habité, qui tenait jadis de la ville ses dimensions poétiques. De destruction se mirent au point encore plus vite que les techniques de construction. Quoi construire et comment et pour qui? Voilà le point le plus épineux. Comment construire, on ne le sait que trop. Les techniques du béton et de l'acier déterminent les constructions, écrasent la demande faible, presque sans voix des usagers. Résultat, blocage de la pensée architecturale, paralysie de la pensée créatrice, ramenée au fonctionnel, réduite à la combinaison d'éléments préfabriqués. Un désastre tel que pour en réparer les dégâts, il faudra une nouvelle époque, une période entière. Le vieux Paris, chaleureux et sordide, peut-on le garder intact? Certes non. Une ville change. Vivre et changer vont ensemble. Quel beau destin si pour une ville, changer voulait dire rajeunir. Fixer la ville, la transformer en un musée, surtout en un musée de la misère, ce serait la tuer. Ce que l'on peut faire de moins mal, c'est restaurer. À celui qui ne le considère pas d'un œil d'esthète, le quartier historique du Marais raconte une lutte de classe. Il dit l'enjeu de cette lutte, la pénétration violente d'un espace bourgeois dans l'espace aristocratique. En laidissement, bien sûr. La bourgeoisie, même dans sa belle époque, n'a jamais eu pour raison de vivre la beauté. Elle ne se proposait que le gain. Le saccage de l'espace aristocratique, ce fut le triomphe des commerçants, des industriels, petits et moyens, des manieurs d'argent, en bref, du capitalisme. Le centre de Paris, transformé en complexe industriel, lié à la production, devint vivant, populaire. Aujourd'hui, la bourgeoisie a pour objectif d'expulser ce peuple, d'embourgeoiser la ville par l'élitisation. Les intérieurs diffèrent comme les façades. Celles-ci révèlent une partie de ce qui se passe et se cachent mal derrière les murs, les fenêtres et les rideaux. Les objets au-dedans des appartements ont des rapports entre eux, avec les gens, avec l'espace. Les gens s'expriment dans les choses, ils se trahissent en elles.
dans ces immeubles récents construits par le capitalisme et pour lui, le dehors pénètre le dedans par les baies béantes. Le dedans n'est plus que le regard sur le dehors. Les signes de l'intimité, les petits objets qui font intime, remplacent l'intimité vécue. Dans les beaux quartiers et les quartiers d'affaires, qu'est-ce qui règne? Le miroir et le reflet. Les reflets dans les glaces diffèrent peu des regards glacés de ceux qui mènent derrière ces faux murs de cristal une existence fantomale. Ils assistent aux flux et reflux de l'argent, aux montées et descentes en bourse, aux fleuves de pétrole. Ces réalités qu'on nomme richesse et puissance ont pour symbole le miroir et pour vérité le reflet. De la voie triomphale, les Champs-Élysées, a été conquise par le commerce. Elle a changé depuis le triomphe du capitalisme. Ici, la rue s'amplifie, devient spectacle et scène. On consomme tout ce qui peut se consommer, les choses, l'espace, les regards, le sexe. Le monde de la marchandise y devient mondial. On a dit que les pauvres casseraient tout s'ils savaient comment vivent les riches. Est-ce bien certain? Un voyage aux Champs-Élysées où chacun peut se promener et regarder suffit à montrer ce que peut l'argent. La richesse ne se dissimule pas, elle s'étale, se croit belle d'une façon qui l'impose à tous et la justifie. La France capitaliste transparaît. Siège de compagnie, banque, agence de voyage, lieu dit de plaisir. L'espace le plus cher, donc le plus prestigieux. Et aussi le plus lucratif, contient les images tantôt doucereuses, tantôt agressives que donne de soi le capital accumulé et même pléthorique. Le déblocage des capitaux signifie le blocage de la créativité, ainsi désignée depuis qu'elle a disparu. Les architectes ne peuvent concevoir et projeter que dans le cadre fixé. Les commandes des promoteurs étrangères à la demande sociale des usagers. Cette commande économique se situe elle-même dans un espace qui se pulvérise en lots commercialisés. Le regard autoritaire l'apprécie du haut des plus hautes tours pour l'imposer, en s'occupant assez peu et assez mal des insectes rampants. Les usagers d'ailleurs ne demandent rien par des mots, mais crient sans mots leur malaise. Est-Ouest, la voie triomphale, part des édifices les plus historiques et traverse le symbole de la guerre victorieuse, l'Arc de Triomphe, pour aboutir aux édifices du capitalisme le plus moderne, les tours de la défense, ainsi nommées d'un événement depuis longtemps oublié.
stratégie inaugurée par Haussmann depuis plus d'un siècle a porté quelques fruits. Paris a changé. La ville des grands jacobins et des communards s'embourgeoise. Vers les périphéries, on rejette les travailleurs, la production et les usines. Telle est la réalité économique et politique de la ville moderne, celle qui concentre le pouvoir, la richesse, l'information et la décision. Pourtant, Paris reste le théâtre de combats multiples. Parmi ces combats, il y a celui qui se livre pour l'espace. Il n'est pas le moins important. D'un côté, il y a l'espace dominant et répressif, les puissances économiques, les tours, la consommation poussée jusqu'à la frénésie, les autos en foule. De l'autre côté, dans l'espace dominé, il y a la vie quotidienne et tous ceux qui s'efforcent de transformer ce qu'on appelle l'environnement en un espace approprié à leur bonheur. Ce bonheur n'est pas utopique. Il n'adviendra pas tout seul. Pour que la ville qui reste encore superbe ne se métamorphose pas en un monstre, en une machine à écraser les hommes, il faudra que son peuple la reprenne en main. Il lui faudra la reconquérir.